Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser la fonctionnalité des taux de reproduction. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je vais ici dans Copie, je vais ensuite ici dans Taux Repro, comme ceci, et là je sélectionne, comme vous pouvez le voir, il y a des trucs tout faits, par exemple du A3 vers du A4, du A3 vers du A5, et inversement ici du A5 vers du A3 et du A4 vers du A3. C'est quand même assez simple. Tout est déjà fait, il n'y a plus qu'à. C'est quand même les formats qui sont 98% du temps utilisés. Bien sûr, si j'ai un collage spécifique à faire, rien ne m'empêche d'y aller soit ici en réglage fin, ou soit de le faire ici avec les différentes options. Le plus simple quand même est d'utiliser les fonctions déjà toutes prêtes. Donc dans mon exemple, je veux faire un A3 vers un A4, donc une réduction de par exemple un plan d'architecte, sur un A3 ça fait peut-être un peu grand, et sur un A4 ça serait peut-être plus intéressant pour moi. Donc j'appuie ici sur OK, et j'appuie ici sur ma touche départ. Donc mon A3 sera scanné vers une feuille A4. Et inversement, si je veux agrandir ma feuille A4 vers une A3, je sélectionne ici, j'appuie sur OK, et pareil, j'appuie sur mon bouton départ, mon A4 sera agrandi sur un A3. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.